Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un autre Un mois, une palette et aujourd'hui je vous présente la palette Tissé Paris de Chanel. On commence par appliquer une bébé crème, moi j'utilise celle de chez Bioderma que j'aime beaucoup. J'applique ensuite du correcteur sur mes cernes et sur les petites rougeurs de mon visage. J'utilise ensuite le blush Cherub de Daniel Sandler. Il est liquide et biphasé, donc il faut bien le secouer avant de l'utiliser. Et je l'utilise avec un pinceau duo-fibre pour bien estomper la couleur sur les joues. Je fixe le teint avec ma poudre de chez Bourjois. Je remplis ensuite mes sourcils avec le crayon Bra Artist Designer de L'Oréal Paris. Voici la palette de chez Chanel. J'utilise d'abord le rose le plus clair. Je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. J'utilise ensuite le rose foncé et je viens le placer en coin externe et en ras de cils inférieur. J'utilise la couleur la plus claire en coin interne et sous le sourcil pour apporter de la lumière. Pour apporter de la lumière au teint, j'utilise le Radiant Touch de chez Kiko juste au-dessus de mes pommettes et sur l'arête de mon nez. Je termine le maquillage des yeux avec une bonne couche de mascara Max Factor. Pour terminer le look, j'utilise une encre à lèvres de chez Etam. Voilà le look final, c'est un make-up très frais et rosé, parfait pour le printemps. J'aime beaucoup cette palette de chez Chanel, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel prochain un mois une palette vous aimeriez que je fasse et on se retrouve bientôt, salut !